problème posé par l'étude reverse est celui de la durée du traitement anticoagulant chez des patients ou des patientes qui ont une thrombose veineuse non provoquée, idiopathique, sans cause évidente. Si l'on s'en tient aux recommandations, on est sur la base d'un traitement dit indéfini, c'est-à-dire en tous les cas au-delà de 3 mois, et réévalué chaque année en fonction du risque de la balance, risque de thrombose et hémorragie. L'enjeu, c'est d'identifier parmi ces patients ou patientes ceux chez lesquels on va pouvoir arrêter. Alors, pour ce faire, il y a des scores. Et notamment un score qui a été publié il y a quelques années, qui est le score ERDO, qui comporte des critères locaux, dermitocre, œdème, caractère inflammatoire, le taux de dédimère, l'existence ou non d'une obésité caractérisée par un IMC supérieur à 30, et puis le dernier, l'âge. Cette étude REVERSE 2 a pour objectif de tester l'efficacité de ce score. Les patients et les patientes ont été traités pendant 5 à 12 mois avec un traitement anticoagulant. Et puis, sur la base, on a fait un dosage de dédimère sous traitement anticoagulant. Les hommes ont tous continué le traitement. Les femmes, à partir du moment où elles avaient un score RDO 2 inférieur à 1, égal ou inférieur à 1, elles ont arrêté, les autres ont poursuivi. L'étude REVERSE montre que chez les femmes, quand ce score est faible, inférieur ou égal à 1, le risque de récidive de thrombose veineuse à 1 an est de 3%, alors qu'on estime que ce taux est faible s'il est inférieur à 5%, le risque étant spontanément un risque de récidive à 14% dans l'ensemble de la population.